Avant de devenir chroniqueuse dans TPMP sur C8, Amélie Bitoun est passée par de nombreuses chaînes comme M6, France 3 ou NRJ12. Mais si est-il sur une autre qu'elle a été très bien payée, comme elle l'a expliqué à Benjamin Castaldi ce vendredi 14 avril. Après Sophie Coste qui a révélé qu'elle touchait parfois 100 000 euros par mois à l'époque où elle était à TF1 et 20 000 euros par prime time, quand elle était co-animatrice de Jean-Pierre Foucault, c'était au tour d'Amélie Bitoun de révéler sur quelle chaîne elle a eu le plus gros salaire. On charrie beaucoup Equidia, mais j'ai travaillé pendant 7 ans sur cette chaîne et franchement si est-il la chaîne qui m'a le plus payé en tant qu'animatrice, a révélé à Benjamin Castaldi la chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce vendredi 14 avril. 700 euros par jour j'ai travaillé sur M6, sur France 3, pour NRJ12, j'ai travaillé pour pas mal de chaînes, mais sur Equidia, franchement, je gagnais très bien ma vie, a poursuivi l'animatrice. Avant de dévoiler la somme qu'elle empochait pour travailler sur la chaîne du cheval. Je gagnais 700 euros par jour puisque je présentais une émission en direct tous les jours et je travaillais tous les jours, a-t-elle poursuivi sur C8 en présence de Jordan Deluxe qui s'est empressé de faire les calculs. D'emblée, l'animateur a cherché à multiplier par 5 pour compter combien l'ancienne animatrice d'Equidia gagnait à l'époque. Ainsi, on peut en déduire qu'Amélie Bitoun gagnait 3500 euros par semaine. Benjamin Castaldi s'est-il fait avoir? Si Benjamin Castaldi a souhaité revenir sur le salaire des animateurs télé, si est-il en raison des révélations faites quelques jours plus tôt par Sophie Coste. Cette dernière touchait 30 000 euros par mois, rien que pour son exclusivité. Si elle arrivait à gagner si bien sa vie, si est-il aussi parce qu'elle présentait un jeu en quotidienne. Jean-Pascal Lacoste a ainsi confié qu'après son passage à la Star Academy, il avait 5 000 euros de contrat d'exclusivité. En entendant tous ces chiffres mirobolants, Benjamin Castaldi, qui a aussi passé de nombreuses années sur TF1, a conclu cette séquence en lançant avec humour, « Mais je me suis fait zenoker en fait. De quoi faire rire tout le plateau. » Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi c'était énorme, Sophie Coste révèle combien d'argent elle gagnait quand elle était animatrice sur TF1, Mathieu Delormeau choqué.